Allez, bonjour, bienvenue, bonsoir, si c'est le soir pour vous, bienvenue, on va continuer notre petite partie des défis au parc du Far West, c'est le troisième épisode. Et donc, on va en profiter pour se développer un peu plus, en espérant avoir un peu moins de restrictions dans les budgets. Voilà, on y est. Super. Donc on a toujours nos défis des restos qu'on n'a pas en vrai parce que ce qu'on a sur le côté c'est pas des restos. Si la caméra veut bien se déplacer, elle veut pas se déplacer. Chouette. Ah oui, non, c'est pas comme City Skylines où la caméra se déplace qu'on fait ça. Donc je suis obligé d'utiliser un peu le clavier. Mais bon, c'est une lettre en fait, mais je sais plus c'est quoi pour avancer. Ah voilà, c'est là. Désolé. C'est que en fait je passe des fois plusieurs jours sans jouer, c'est pas forcément une bonne idée pour le rythme parce que du coup j'oublie des trucs basiques. Il faut que je garde une certaine régularité quand je fais ça. Donc construire les montagnes russes, le défi est toujours là. Atteindre une note de 40 pour l'environnement, on y est encore aussi. Bon là on a 19, on a mis des arbres, on va continuer à en mettre. Je pense qu'il en faut un peu plus pour faire augmenter la note, on verra au fil du temps. Niveau budget, ouais, bon, on n'est pas non plus millionnaire encore, on est toujours un petit peu ric-rac, on va mettre des poubelles ici, parce que là, les gens sont un peu dégueux. Tac, 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 environnement. En profiter pour mettre des bancs. On a dit qu'on mettait des bancs de quel style par ici. Ouais, j'essaye de maintenir au moins un degré, enfin, une cohérence relative. C'est pas celui-là, c'est lequel? C'est celui-là, c'est celui-là. Ok, donc il y en aura un là devant le truc à bouffer, un là, un là, un là, et les poubelles. Qu'est-ce qu'on a comme poubelle dans le coin? C'est celle en bois aussi, hein, celle-là. Voilà, 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 et voilà. On est bien comme ça. Donc on a de l'argent pour quoi alors en fait? Niveau attraction. On a construit. On n'a pas construit ça. Et on n'a pas assez de thunes pour. Donc il faut faire en sorte de l'obtenir cet argent. C'est quoi les. Revenu du mois précédent, 0, parce qu'il n'y avait rien le mois précédent. Commensuel, 60. Bénéfice du mois précédent, bénéfice depuis l'ouverture, 80. Et c'est quoi les prix des pour un client? Ah oui, ça, oui, c'est vrai qu'il y a de très bons prix là-dedans, on avait dit. Donc ouais. Bonne idée. Niveau fréquentation, ça va. Les montants. Ce qu'on va les augmenter, ici on va augmenter un petit peu. 5. Tarif familial par enfant. 2. 2,50. On va pas faire le rapia là. 50 c'est bien. On va bientôt avoir l'argent pour construire ça, donc c'est cool. Il y a certains manèges qui ont trop de musique là. Donc on va les taire. C'est où encore ce truc? Il y a tellement de fonctionnalités, de paramètres, pardon, plutôt, par manège que du coup on sait plus après qu'on veut faire un truc précis. C'est là. C'est là, le volume, il est là. Voilà. Il y a encore un truc bruyant là. C'est sympa, bon peut-être que je vais pas baisser à fond. Parce que ça met une petite ambiance, mais là, des fois c'est un peu trop quoi. Ça aussi là. On va peut-être avancer un peu le rythme de jeu.
Ce serait pas mal. Non, commencer à construire des trucs, mais c'est pas. Est-ce qu'il y a de très grands arbres qu'on pourrait mettre peut-être le long de la clôture là comme ça, ce serait pas mal. Voilà. Bon, c'est vrai que c'est un peu immense. Ça pas trop le. Bon, on passe de immense à minuscule, donc c'est un peu ridicule. Pourquoi là t'es en rouge en fait? C'est un peu chiant à être en rouge comme ça là. Je vais pas me dire qu'on va pas, on va devoir se rabattre que sur des cyprès là quand même. Ce qui est chiant, c'est qu'on peut même pas. On peut même pas régler la taille. On va avoir un choix de taille quoi. C'est pas top du tout, du tout, du tout. J'ai pas envie de me rabattre sur des cyprès parce que c'est assez large ici quand même quoi. Ça c'est quoi? Ouais bon. Mais même ça reste. Ah. J'allais dire même ça reste rouge, mais. Allez, voilà. Je vais me résilier, putain de merde. Voilà, c'est bien comme ça. On va mettre quelques buissons ou des trucs, tac. Ouais, c'est tout petit, mais bon, c'est mieux que rien. C'est tout mignon. Faudrait mettre des trucs plus larges, peut-être même. Ah bah ben voilà, là. Rentrer. Tac. Et ben, plus de buissons. Moi, je saoulais déjà avec mes buissons. Je suis très buisson. Non, ça, c'est pas un buisson. Où sont les buissons? J'en ai marre de les chercher, ces trucs-là. Je passe ma vie à chercher des buissons. J'en ai pas d'attraction. Alors ça, c'est des trucs qu'on peut pas avoir. Chiant. Sa mère, comment ça marche encore? Allez, des cailloux, voilà, ça fait très bien les cailloux. Les cailloux, tac. Là, t'as un gros caillou. Là, un gros caillou. Là, un gros caillou. Non, enfin, là, ça le fait pas parce qu'il y a un peu une porte à devant. Voilà. Et l'argent est en train de bien augmenter, là, donc c'est bien. On a de très bons chiffres, c'est extra. Et la note de l'environnement augmente aussi. C'est une bonne nouvelle. Donc on va pouvoir construire le prochain manège. Qui sera celui-ci. Qui est super grand pour le coup. Donc on va peut-être passer. Non, on va pas passer de l'autre côté. On va rester là, dans ce quartier-là. Et ce sera ici. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'à chaque fois, il faut un petit espace quand même pour faire la queue. Voilà. Et là, il faut un truc pour faire la sortie. Alors, je sais jamais là, en fait. Non. Merde, comment ça marche encore? La sortie, je sais jamais. Je suis vraiment pas doué, moi, en sortie, c'est chiant. Comment tu fais là? La sortie, moi je veux une sortie. Ouais, c'est parce que j'oublie aussi ce genre de choses que du coup c'est pas une bonne idée de s'arrêter pendant plusieurs jours. Ce genre de choses basiques. Très con. Voilà la putain de sortie. Voilà, c'est bien, allez.
Arrête-toi. Et donc, c'est les auto-tamponneuses qu'on va ouvrir. Et on va rajouter des boutiques, peut-être, de ce côté-là. On regarde comme ça court, là, ça y est, ils sont friands, ils sont friands. Ça, on peut le mettre là, du coup. Tu vas te tourner par contre. Non, c'est pas ça que je veux faire. C'est pas ça que je veux faire. C'est la boutique que je veux tourner. Ah, mais pourquoi tu me fais ça? Non, c'est pas bon, c'est pas bon. C'est pas bon. T'as la queue qu'il y a déjà, waouh. Ça, est-ce qu'on en a un comme ça déjà là-bas? Ouais, on en a un. Ah, mais c'est pas exactement le même, tu vois. Ça aussi, non, ça non, ça c'est trop large, ça peut être bien aussi. Mais en fait, j'ai du mal à le faire tourner, c'est pénible. C'est, attends, c'est W, oui, W, voilà, pétard. Et en vrai, j'ai installé ça, mais je sais même pas c'est quoi, c'est des chiottes en fait. Là, c'est un bâtiment des employés. D'accord. Et ben du coup, on va pouvoir virer l'autre dégueulasse qui est là-bas, là. Je comprends pas pourquoi c'est 3, parce que j'en ai pas d'autres, hein. Bon, enfin bref. Bon, on va le laisser, on va le laisser. C'est bon. Environnement va continuer à mettre des trucs sympas ici. C'est W du coup, tac. Voilà. Ça c'est bien. Ça aussi. On peut pas des trucs plus petits du style-là. Ouais, c'est super. Là, j'ai envie de trucs un peu plus grands. Légèrement plus grands. Les mini-arbres. Non, pas ça. C'est trop chic. Non, ça on en a mis plein tout à l'heure là-bas. Enfin tout à l'heure dans un épisode précédent. Il faudrait un truc qui fasse peut-être un peu plus vert là de ce côté-là avec les fleurs qu'il y a. J'ai du mal à voir là avec tout ce qui gêne devant. Ah voilà, c'est quoi, c'est mieux. Là c'est trop haut comme arbre. Ça aussi. Ça c'est plus intéressant déjà. Il rentre là, ça fait pas rouge, ça va. Non, ça va, c'est très bien. Et là, on peut en caler un aussi. Obstruction par quoi? Non. 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 Non.
Bon, il a du mal hein, à trouver un petit truc sympa là. Non, non, non. C'est un peu chiant. Bon, ben tant pis, on va laisser tomber, on reviendra plus tard. Là, c'est dégueu, hein, on plaçait des poubelles quand même. Et là, bah, elle va pas se nettoyer. Ils ont peut-être embauché à nouveau, au cas où. Dans quel sens je peux développer mon truc hein, maintenant? Bah, par là, hein, vu qu'on partait par là, peut-être aller par ici aussi. Quelle serait la prochaine attraction à construire? Ce serait ça. Il faut 2400 balles. En fait, là, j'ai oublié de classer par prix, donc c'était pas forcément la suivante en fait, mais bon tant pis, je pense que j'ai fait un bon investissement quand même, hein. Il y a du monde et on va même au-delà de ça, tac, augmenter la capacité du truc. C'est où qu'on fait ça encore? 3/4, voilà. Très bien. Trop de visiteurs dans du Z Cosmic Show. Mais shake, j'ai pas trop fait attention au message depuis tout à l'heure. Si on fait augmenter les prix, peut-être qu'il y aura moins de visiteurs. Bon, on peut en remettre un là de Michèque. Distributeur de billets. Les boutiques, au pire, les boutiques customisées. Non, ça je peux pas. Là, c'est encadré. C'est affreux ce truc. Il faut que je trouve. Bon, je regarde les boutiques. Ouais, voilà. Je vous l'ai dit, à niveau style, ce serait pas extraordinaire. Et donc là, on va mettre ça là. Si ça se trouve, on en a un déjà à côté, en fait. Non, ça va. Très bien. On va rajouter des trucs ici. Alors niveau banc, on est comment de ce côté? On a bon, on dit qu'on rentre un peu dans une autre zone, donc je vais peut-être changer un peu. Tac, tac, tac. Il y a un peu de détritus, donc une poubelle adéquate. Tac, tac, tac. Ils ont été vite prisés, hein, putain. Donc tac, 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 tac. Voilà. Donc, comme ça, on est bien. On va peut-être pouvoir construire une deuxième attraction quand même au cours de cet épisode. On a gagné pas mal d'argent. Et donc, on a fait les tasses, on a fait le carrousel, on a fait l'hyperspin. Où est-il d'ailleurs? Il est là, l'hyperspin. On n'a pas fait ça. Ça, c'est super cool. Et on va le faire. Bon, on va le faire plus par ici, du coup. Comme ça, parfait. Placer l'entrée ici, passer la sortie ici. Aller entrer à une allée. Tac. Et là, du coup. Non, là c'est de la merde. Mais non, mais fais ton truc normal. Voilà. Là, on a une espèce de grand espace. On pourra peut-être faire de la décoration. Je savais même pas qu'on pouvait mettre des trucs de pique-nique, tiens.
Pour faire de la décoration de style assez large ou des arbres très grands ou des trucs comme ça, on a de quoi faire. Mais là j'ai envie de m'appliquer quand même parce que j'ai une bonne surface. Donc je vais peut-être pas faire ça là maintenant avec le temps qui me reste dans cet épisode. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'intéressant? Voilà, on peut mettre des objets de décoration et tout. Mais et bon, il faut que ça se marie bien quoi. Et moi je suis pas super doué. J'ai pas l'expérience pour. Donc il faut que je vois comment on peut faire ça. Ça, j'en ai déjà placé des comme ça. Okay. Non, c'est pas ça, la caméra. Merci, désolé. Hop. Et ouais, il y a trop plein de trucs qu'on pourrait faire, mais si je me m'appliquais, ça prendrait un temps de ouf, quoi. Donc on verra plus tard, on va se donner le temps de le faire. On a eu d'autres notifications entre-temps, plusieurs volontés communes, mais on n'est pas d'agent de sécurité. Donc on va en embaucher un. Il sera là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Et ben du coup, on va baisser le prix. Il sera à 1,50 $, voilà. Je considérais comme une nouveauté d'utilisation sous papier un surcoût. Et ben on va mettre là aussi on va baisser le montant. $1,50. Ensuite, un vendeur. Tac, c'est bon. Ensuite, on avait quoi? Plusieurs employés ont trop de travail. Qui a trop de travail? Charge de travail normale, charge de travail élevée. Est-ce qu'on peut classer ça? Élevé, 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 élevé. Il y a 4 employés. Une charge de travail élevée, donc technicien de surface, on va en embaucher à nouveau. Tac. Ensuite, les employés. Charge de travail élevée. Serveur. Serveur. J'ai réduit une boutique. On va embaucher notre serveur. Il y a une différence en fait entre serveur et vendeur là, non. Bon ça c'est tellement accessoire, mais ça c'est capital par contre. Donc tac. Voilà. Nouveau message. Tac, ben on va baisser le prix. Voilà. Une balle. Voilà, c'est très bien. Ça c'est pas ouvert, on l'a ouvert ou pas? On n'a pas ouvert. Et ben voilà. Et ben voilà. Du coup, j'aurais pas passé pas mal de temps à de la déco. Ce qui est très important, évidemment, puisque ça fait partie des défis, hein, l'environnement. J'ai toujours l'impression de gâcher un peu le temps de mon épisode là-dessus, mais bon. C'est tout aussi capital finalement. Là, il y a une très grosse partie dont je ne sais pas ce que je vais en faire. Là aussi, peut-être à aménager. Mais c'est bien, on a pu un peu mieux se développer économiquement. Et aussi niveau variété des attractions, puisque j'ai pu en ajouter de nouvelles. J'aurai peut-être le temps d'en rajouter une troisième pour le fun.
Parce que là, je gagne pas mal, hein, ça y est, niveau bénéfice, on est bon, non? Oui, on est très bien. La musique est sympa, là. En plus, ça fait des bulles et tout, c'est trop stylé. Regardez ça. Allez. Bah, plutôt que de construire une troisième nouvelle attraction, on va faire un truc très sympa pour cette fin d'épisode. C'est qu'on va faire un tour de manège à la vision du spectateur, à la vision de client du parc, une fois que ce tour-là sera fini. Ça peut être sympa. Et on va réduire évidemment le temps du jeu. Caméra d'attraction. Un siège. Voilà, plusieurs caméras d'attraction. Moi, je vote le siège. Voilà. Bon, le temps que les gens se placent, enfin que les gens sortent, là, on n'y est pas encore. Donc, dépêchez-vous de sortir. Cinématique, ça donne quoi? Ok, bon. C'est pas pressé, hein? Stylé quand même, cinématique, la caméra fait ses trucs toute seule. Allez, on va pouvoir prendre la place d'un spectateur et voir comment ça fait. Évidemment, c'est pas dans les manèges comme ça que c'est le plus intéressant, hein, mais ça vaut quand même le coup toujours. Les trucs les plus intéressants pour cette vue, c'est évidemment les grands roller coasters, les vrais quoi. Mais là, c'est assez sympa quand même. On va vite tomber malade, même si ce n'est qu'un jeu, c'est pas la réalité. C'est peut-être limite pire en fait, vous me direz. Et avec les bulles et tout, c'est vraiment cool. Ah oui, là, ça tourne à mort. Oh putain, ça fait des sensations. Et la vue n'est pas si extraordinaire que ça. Bon, comme je vous le disais, évidemment, parce que c'est pas l'attraction qui monte le plus haut, même si ça monte pas mal. En tout cas, le paysage est vraiment grandiose, ça c'est clair. Ce serait trop marrant qu'en vision de spectateurs comme ça, de clients, on ait un autre à côté qui nous vomisse dessus. J'imagine que ce serait drôle et bizarre aussi. Drôle et bizarre à la fois. C'est la sensation que procure le fait de jouer à ce jeu. En tout cas, ils ont l'air de s'éclater, hein. Très bien. Et donc ça aurait été le dernier tour, on repart une dernière fois, non? Non, c'est fini. Voilà. Merci. Bah, c'est comme ça qu'on va clôturer du coup cet épisode. Petit tour de manège. Premier petit tour de manège. Pour la première fois. Et ça attire du monde, hein, comme vous le voyez en plus, donc c'est super. Voilà, merci d'avoir été avec moi donc aujourd'hui pour ce troisième épisode. Oh, j'ai eu des nouvelles notifications entre temps, ça n'arrête jamais en fait. Une fois que le parc commence à se développer, ça tombe dans tous les sens. Donc après évidemment, on peut pas tout faire en même temps, hein. Chaque chose en son temps. Faut se débrouiller. Là, mine de rien, je pense que j'aurais pas mal avancé, même si je me rends pas forcément compte, j'aurais fait pas mal le développement de cette partie-là. J'ai fait un bon développement niveau salarié, j'en ai embauché pas mal. Et niveau environnement aussi, on a gagné quelques points. Oui, là on est à 27, on a commencé l'épisode, on était peut-être à 20 ou un peu moins de 20, donc ça va, je suis très content. Satisfaction des visiteurs, par contre, 25%, c'est une cata. Hein. Oh là là, faudra bosser là-dessus la prochaine fois, voilà. Bon, donc on a déjà des pistes pour le prochain épisode. Merci beaucoup d'avoir été là, et on se retrouve pour le quatrième. Très bientôt sur ma chaîne YouTube. Bye bye!